Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tu sais que sur la chaîne il n'y a aucun tabou, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va aborder le sujet de l'argent. Donc à savoir que sur l'argent que vous allez voir que la chaîne a généré, avec l'air on n'en a touché aucun parce qu'il faut créer une société, etc. et tout pour pouvoir déduire les impôts. Enfin bref, c'est pas très intéressant cette partie. Mais on va pouvoir voir pas mal de statistiques, je crois que je vous les ai jamais montrées, et je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs en rapport avec la prépa ou les études supérieures qui l'ont fait. Donc vous allez tout voir. Depuis le début. Donc on y va tout de suite, on va faire les onglets un par un et bien sûr à la fin vous verrez la monétisation, combien ça concrètement ça a rapporté de faire 330 000 vues, je crois on en est avec Claire, donc voilà. Donc c'est parti sans plus attendre. Donc sur les 28 derniers jours, donc là on est sur la période janvier-février, l'ouverture de Parcoursup, les débuts, donc c'est pour ça qu'on peut voir que ça remonte un petit peu, etc. Donc on a fait 20 000 vues, donc à peu près comme d'habitude, 20 000 vues en un mois, c'est pas mal en vrai. Durée de visionnage 1,4K, donc 1400 heures. Abonnés plus 120, donc voilà, on peut le voir aussi quand on clique sur les différentes choses. Ça, c'est par contre le durée de visionnage qui a été un peu faussée ici par comment dire, la diffusion de La Nuit Solidaire, le dernier concert de Big Flo et Oli. J'en ai filmé une grande partie pour pouvoir le partager. Et cette vidéo a fait pas mal de vues et comme elle dure 1 h 30, c'est vrai que ça va peut-être fausser, donc on verra sur d'autres intervalles. Donc là, on voit l'ouverture Parcoursup fin janvier, etc. Et les revenus déjà sur le mois de janvier estimés à 12,46 €. Bon voilà. Donc ensuite, pour un autre point important, c'est la couverture. Donc la couverture, à quoi ça correspond? En fait, les impressions, c'est le nombre de fois que votre vidéo va figurer, vous savez, dans les petites vidéos à droite ou en dessous que vous voyez parfois, vous êtes peut-être toi là qui regarde la vidéo, t'es arrivé comme ça sur la chaîne, parce que tu regardais la vidéo de quelqu'un d'autre et on t'a dit, t'es, il y a une autre personne qui fait du contenu à peu près similaire, donc si tu veux aller voir, vas-y. Donc là, bien sûr, l'augmentation à la fin, c'est toujours le concert de Big Flo et Oli, mais sinon là, c'est vraiment le thème que prépa. Donc avec des vidéos sûrement sur les petits pics qui ont fait que, donc par exemple, partiel, Lightfield, bon, je pense c'est plus le côté partiel, je sais pas. Là, c'est la bande-annonce, le ressenti sur la prépa intégrée. Donc voilà, taux de clic, 4%, bon, je sais pas si c'est énorme, je ne me rends pas compte parce que on clique pas souvent sur les pubs ou les recommandations. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est ça, c'est... Bon, les gens viennent à 37% parce qu'ils font des recherches YouTube, soit fonctionnalité de navigation, page externe, suggestion de vidéos, etc. Mais c'est de voir que par exemple, sur le dernier mois, les 28 derniers jours, il y a 300 000 fois, il y a eu des impressions, c'est-à-dire 300 000 fois, une des miniatures des 500 vidéos a été suggérée dans les vidéos des autres. Donc je trouve ça énorme en un mois, sachant que vous pouvez payer de la pub, etc. sur YouTube, mais là c'est tout en non payé, c'est vraiment... Comme ça a été fait, et si les gens cliquent, ils cliquent, sinon ils cliquent pas. Les playlists qui ont été les plus regardées, les suggestions de vidéos, les vidéos qui sont les plus suggérées, ou qui ont peut-être suggéré le plus le contenu. Là, bien sûr, on voit que c'est un petit peu faussé avec Big Flo et Oli, La Nuit Solidaire, etc., vu que c'est très récent, donc comme c'est une vidéo qui a fait beaucoup de vues très récemment, ça fausse un peu cette partie-là. Mais après, on pourra le voir, par exemple, la couverture sur les 90 derniers jours. Donc en baisse, parce que en fait il compare les 90 derniers jours aux 90 derniers jours d'avant. Et comme 90 jours c'est 3 mois, bon vous faites à la louche en gros, août, septembre, octobre, comparé à novembre, décembre, janvier. Alors que août, septembre, octobre, enfin surtout juin, juillet, août, c'est la plus grosse période. Donc c'est normal qu'il y ait une baisse, mais ça fait quand même 700 000 impressions, avec un taux de 4% de clics et 40 000 vues. Et 18 000 spectateurs uniques. Ça aussi je trouve ça fou. Je voulais vous en parler. En fait, ça veut dire qu'il y a en moyenne, enfin, il y a 18 000 personnes différentes sur les 90 derniers jours-là qui ont regardé les vidéos. Alors, peu importe la vidéo, ils peuvent en avoir regardé une, deux, 10, 5, je sais pas, je pense que ça fonctionne par adresse IP ou je sais pas comment. Mais voilà, donc sur une période qui est quand même assez creuse, vous le verrez sur les graphiques, etc., c'est normal parce que la chaîne, vous savez, il y a des moments où vous venez plus regarder des vidéos que d'autres parce que soit vous avez des DS, des partiels. Si vous rentrez en terminale, bah, septembre, octobre, novembre, décembre, il n'y a pas encore Parcoursup, donc vous regardez pas trop YouTube. Et après, vous voulez vous renseigner, donc on fait des vidéos pour ça, pour enseigner. Donc vous venez et on vous parle de divers sujets en lien avec Parcoursup, que ce soit les vœux, les lettres de motivation, combien mettre de vœux, prépa intégrée ou prépa généraliste. Enfin bref, tous ces sujets-là sont abordés, ce qui fait que bah, logiquement, ça remonte après sur d'autres périodes. L'engagement, alors quoi ça correspond? Vidéos les plus regardées par écran de fin, ça je... Ah oui, c'est parce qu'à la fin, il y a des écrans de fin. Donc voilà, c'est sûrement les clics en fonction de ça. Bon, bien sûr, La Nuit Solidaire, voilà. TIPE, le thème du TIPE, le bilan, le concert de Kikessa et TIPE sur les océans. Voilà, donc là, le gros pic, comme je vous ai dit, fausse un peu tout. Audience, 18 000 spectateurs, nombre de vues par spectateur moyen. Donc ça veut dire que chaque spectateur
regarde environ 2,2 vidéos. C'est pas mal, je trouve. Je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est-à-dire au moins 2. 20% des gens qui regardent le contenu sont abonnés. Ouais, voilà, encore une fois, c'est faussé. Normalement, c'est plus. Mais le fait qu'il y ait cette vidéo à 5000 vues de Big Foley où les gens l'ont regardé et puis sont partis, ce qui est normal, parce que peut-être c'est pas les thématiques qui les intéressent, les études supérieures, ça fausse pas mal. Je sais pas, genre si je mets sur la période 2019, voilà, 2019. Non abonnés 64% et abonnés 35%. C'est plus dans cet ordre-là. C'est plus du un tiers de tiers à la chaîne. Et avec un quart de femmes et trois quarts d'hommes, comme c'est marqué là. Et après, au niveau des âges, bah, ça correspond à l'âge des études supérieures. On a quand même un petit 0,3% de 65 ans et plus. Ça, c'est ceux qui veulent pas mettre leur âge, qui étaient trop mineurs et qui ont mis qu'ils étaient nés en 1914. Et voilà. Top des langues, top des pays. Bon, 80% en France, 10% au Maroc. Donc bonjour à tous les Marocains qui nous regardent. Aussi Tunisie, Réunion, Belgique. Donc. On va dire bah voilà, 80% de France et 20% d'ailleurs à travers le monde. Et ça fait très plaisir d'avoir un public assez diversifié, vraiment. Perso, je trouve ça vraiment cool. Les notifications pour la cloche, bah, n'hésitez pas à l'activer. Tant qu'on est dessus, j'en parle jamais. On est à 20%, donc on est pile dans la moyenne pour ceux qui ont toutes les notifications. Donc bravo à toi si tu as toutes les notifications et merci à toi si tu regardes les vidéos. Et enfin, toutes les notifications pour la chaîne ainsi que les notifications YouTube, bah, vous êtes à 14,1%, donc 397. Vous êtes dans la partie haute du pourcentage habituel. Donc. Bravo à vous, bravo, bravo. Vous êtes vraiment investi. Donc l'engagement, je crois que voilà, là, de toute façon, si on regarde les courbes sur l'année, 4 millions d'impressions sur l'année 2019, c'est énorme. 4 millions de fois les vidéos. J'avais jamais vu cette stat, je trouve ça énorme. 300 000 vues en un an. Engagement, 11 000 heures de visionnage, durée moyenne 2 minutes. Audience, 2 300 abonnés. Et on va arriver aux revenus. Attention, vous êtes prêts, ce n'est pas des milliards et des cents. Alors. Les revenus estimés pour 2019 sont donc de 178 euros et 40 centimes, mais après il faut regarder que la monétisation de la chaîne commence là. Donc c'est plus un deux tiers d'année, parce que même limite une demi-année, parce que juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, 7 mois. 7 mois de rémunération YouTube, donc vous le voyez, ça commence, ça fait des centimes, des euros parfois. Là il y a un pic, une journée qui a rapporté 7,50 euros environ, donc. C'est pas, on fait pas ça pour l'argent avec clair, parce que vous avez vu qu'avec 200 euros en 7 mois, il n'y a pas de quoi vivre, largement pas. Mais vu que c'est souvent une question qui est posée par les gens et que, comme vous savez, on parle vraiment de tout sur la chaîne, c'était pour vous en parler, voilà, pour vous dire, pour vous donner des idées, des a priori. À quoi servira cet argent aussi, je ne sais pas. Faut déjà que je me renseigne bien au niveau de législation, comment ça fonctionne et tout, et on verra après. Lecture monétisée 100 000, donc on peut voir. Ah oui, c'est intéressant de voir ça par exemple aussi. C'est le CPM. Alors CPM, c'est le clic par mille. Donc je vous donne plein d'infos comme ça pour ceux qui se lanceront un jour sur YouTube. Peut-être ça vous servira à quelque chose. CPM, en fait, c'est le clic par millier de vues. Donc on dit toujours 1 euro 1000 vues ou 80 centimes 1000 vues, 1 dollar 1000 vues. Et bien vous voyez par exemple la chaîne par rapport aux études supérieures et tout, bah, c'est plus pas du 1 euro mais du 3,22 euros. Alors vous allez vous dire, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, c'est plus que ce que les gens disent. Bah, ça dépend du public qu'on a. Par exemple, vous pouvez voir des chaînes style comment ça s'appelle? Des entrepreneurs, auto-entrepreneurs, qui font des formations marketing et tout, et qui montent leurs chiffres. Eux, parfois, ils sont à du 7, 8, 10 euros de CPM. Donc, c'est 3 fois plus que ça. Et parfois, il y en a qui font du truc tout pub des publicités tout public, enfin, du contenu tout public pour enfants. Comme les enfants cliquent jamais ou pas souvent sur le contenu publicitaire, bah, c'est plus du 1 dollar les 1000 vues. Donc ça dépend vraiment de la communauté que vous avez, du type de publicité qui est proposée sur votre contenu à votre dépens. Et voilà, vous avez des revenus mensuels ici qui ont été estimés. Donc on peut les voir, donc vous avez plein de chiffres. Moi je regarde pas souvent tous ces chiffres-là, j'avoue, c'est la première fois que je regarde vraiment autant en détail. Donc on peut voir les évolutions au fil des mois, 6, 30 euros. Ouais, c'était ça, du 30 euros par mois l'été. Après septembre, on est toujours à 30. Octobre, novembre, voilà, on descend, 10, 10. Et là, je pense que ça va remonter tranquillement avec la fin, l'été. Trouver de nouveaux contenus, de nouveaux concepts. Si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas. On en a suggéré pendant les lives et je vais les faire. Et voilà, je pense peut-être de nouveau. Je sais pas si, par exemple, toujours dans l'idée, vous voyez, genre des exercices corrigés ou des choses comme ça, des exos avec correction. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Style niveau première terminale, à la rigueur études supérieures bac plus 1, j'irai pas faire des exos que je ne sais pas faire, bien sûr, ça n'a aucun intérêt. Mais style, on a bien fini un chapitre, bah, je reprends avec vous des exos que nous on a fait, et ça peut peut-être vous aider à comprendre d'autres choses, je ne sais pas du tout. Et voilà. On peut voir que la vidéo, la prépa, c'est fini, a fait quand même 22 euros de revenus, TIP sur les océans 8 euros,
comment trouver tes futurs camarades de classe, 6 euros. Enfin voilà, vous avez vraiment enfin, un aspect plus financier là. Mais sinon, moi ce que j'aime bien voir aussi, c'est plus les vues que l'argent. C'est, vous voyez, janvier, on était pas nombreux. Après mars, c'est arrivé, avril, mai, juin, ça a monté, juillet, août, septembre. Et hop, on est redescendu, et voilà. Et chaque année, je pense, on pourra faire venir de nouvelles personnes. On sera de plus en plus nombreux. Que ce soit en vidéo, en live, en commentaire. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que plus on est, plus ça facilitera le fait de pouvoir faire des partenariats peut-être avec d'autres entreprises ou faire des vidéos sponsorisées, pas dans le sens je suis rémunéré, parce que j'en ai fait aucune pour le moment, des vidéos, j'en ai fait une avec Claire et 3 ou 4 tout seul. À chaque fois, c'était des produits qui étaient envoyés gratuitement, j'ai pas demandé d'argent pour les vidéos. Mais je trouve ça toujours cool de pouvoir faire des jeux concours, c'est-à-dire ça vous profite à vous, ça nous profite à nous, et tout le monde est content, ça fait de la pub pour une entreprise ou une société. Et vraiment, voilà, c'était un aspect positif que je voulais partager. Je suis toujours aussi dans l'hésitation entre faire du contenu quotidien, pas quotidien, plus pas souvent de qualité ou quotidien. Enfin, vous voyez cet aspect toujours de l'hésitation à se dire, est-ce qu'il vaut mieux prendre 15 minutes par jour et faire 5 vidéos par semaine ou prendre 2 heures et faire une vidéo par semaine? Donc c'était un débat que j'avais déjà eu avec vous. J'avais déjà essayé, ça n'avait pas donné grand-chose de faire une par semaine. Mais voilà, je pense qu'on aura fait le tour. Donc voici des stats de 2019. Donc pour 2019, nous avons tous ensemble réussi à faire 294 400 vues. On peut voir précisément 294 363 avec 11 200 heures de visionnage, donc 11 152 précisément. Nous avons eu 2 284 personnes qui nous ont rejoints. Donc on peut voir qu'il y a une différence avec ici. Donc ça, c'est ceux qui se sont abonnés depuis janvier, ceux qui étaient abonnés avant. Ça prend pas en compte, je pense, des unfollow de novembre, enfin de janvier, je veux dire. Alors je sais pas trop comment ils fonctionnent, hein, mais voilà, c'est les stats. Et 178 euros et 40 centimes de revenus. Et à quoi ça servira? Je ne sais pas, mais quand ça servira, je vous le dirai. Donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.